4 km de pure descente. À Réalon, les lugeurs ont leur domaine, une vraie piste, rien que pour eux. Axé en télésiège par le sommet de la station, Adrien Hoc escorte les groupes 3 fois par jour. Plus, c'est pas une voiture, il n'y a pas d'ABS, ok, on peut mettre une grosse vingtaine de mètres à s'arrêter suivant la pente. Donc du coup, garder un petit peu quelques distances de sécurité. Pour aller à droite, je tire à droite, pour aller à gauche, je tire à gauche, et pour freiner, je tire les deux. Ça a l'air très simple comme ça, vous allez vite vous rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué en réalité. Réalité, en effet compliqué pour Martine. Je me suis fait peur, parce qu'il y avait un muret, mais je me le suis bien pris. En fait, on se retourne, on passe pas de l'autre côté, mais c'est quand même assez impressionnant. Depuis 2011, cette piste de luge offre pour une 20aine d'euros une alternative au ski, tout aussi riche en émotions. Avec la vitesse, à un coup de trop, et on se retourne et on se prend des belles gamelles. Vous avez pris quelques-unes là? Oui, quelques-unes, oui. Ça fait mal ou comment? Non, bah, c'est de la poudreuse, donc on s'enfonce dans la neige et c'est plus drôle que... C'est des bonnes sensations. La vitesse, les sensations au ras du sol, puis de profiter un peu de la station différemment qu'à ski. On apprécie plus les paysages, c'est bon enfant, bonne ambiance. Après une heure de descente, même Martine a retrouvé le sourire. Une fois qu'on a pigé le truc, on se régale, quoi. On peut prendre de la vitesse, voilà. J'ai fini première de mon groupe. Avec ses 560 mètres de dénivelé, la piste est devenue l'une des activités phares de cette petite station familiale, descendue chaque année par près de 5000 personnes.